Bonjour! Connaissez-vous le mec super doué du jour? Un mec quelque part dans l'univers, je sais pas, a réussi à terminer Megaman X et Megaman X2 en même temps avec une seule manette. Et ça, c'est très utile pour la société de demain, n'est-ce pas? Toutes ses performances sont disponibles sur YouTube. Le palais de Scarface, le vrai qui a été utilisé dans le film, quoi, est en vente pour 17,9 millions de dollars. Et c'est tout. Ah oui, il y a un grand parc, des fontaines, des salles de réception et le tout fait 40 000 mètres carrés. C'est bon, on peut passer à la suite? À Toulouse, un ivre jaloux de 23 ans a essayé d'escalader la façade de son immeuble pour rejoindre son ex. Il a fini à l'hôpital car il s'est blessé à la main, puis après il est passé en cellule de dégrisement et après il a vraiment fini au commissariat. Un concours est organisé par je sais pas qui d'ailleurs sur le meilleur prof du monde. Et celui qui finit premier remporte un putain de million de dollars. Les dinosaures ont un organe de copulation et de mitose qui s'appelle le pénis. En fait, il y a zéro personne qui m'écoute. Nichon! Voilà, comme ça, vous écoutez mon cours. Alors, je disais donc que les dinosaures ont un organe de copulation et de mitose qui s'appelle le... Le boule! Alors les dinosaures ont un organe de copulation et de mitose qui s'appelle le pénis. Et ce pénis-là, eh bien, il... Bon, vous savez quoi? Mon cours, il m'intéresse pas. Alors moi, je vais tout de suite... Why not? Organisez-le! Soirée de partie spécial boule à Satan City. Dans, plus précisément, dans la couperie de Satan City. Où là, on va apprendre comment couper de l'eau. Hein, et comment couper Satan aussi. Hein, et... En fait, il n'y a personne qui m'écoute. Il y a des gens sur Skype. Allô? Il y a quelqu'un ici? Maintenant que votre dose de désinformation est terminée pour aujourd'hui, je vous invite maintenant à rejoindre la chaîne, les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu, hein, comme les désinformations internetisées, et surtout, partager la vidéo, ça c'est le plus important. Et sur ce, pour tout le monde.